Bon, allez, on va passer un peu à autre chose. Je sais pas ce que c'est que ça, mais tu dors quand t'es en train de conduire. J'ai jamais vu une voiture où t'es aussi allongé, quoi. Tout le monde dit que t'es allongé dans la DeLorean, mais alors là, c'est... Orange Mécanique ? Non. Ah si. En fait, pour rentrer dans cette voiture, le toit s'ouvre en coulissant vers l'arrière. Comme vous pouvez voir, il y a les rails ici, c'est électrique. Et donc ça a été utilisé dans Orange Mécanique. Elle n'a pas été créée pour le film, mais elle a été utilisée dans le film. Comme vous pouvez voir là-bas, c'est un truc de ouf. Il y a des... Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des jauges entre les jambes du conducteur. Et les pédales sont cachées là-bas. La voiture, elle est horizontale. Je sais même pas, elle fait 45, non, elle est 70 cm de haut. Et ce qui est le plus ouf, c'est que les mecs tiennent à 4 dedans dans le film. Comme vous pouvez le voir là. On sait pas comment ils ont fait. Donc il y a le conducteur, un mec au milieu, et deux mecs l'un sur l'autre derrière. Je sais pas comment ils ont fait. Franchement, je sais pas pourquoi, elle m'attire énormément cette voiture. Elle est juste magnifique. J'adore l'intérieur. Allez, on passe à la suite. Est-ce que vous la reconnaissez ? La voiture de Nux dans Fury Road. Il faut savoir que Fury Road, c'est un film qui était prévu de tourner au début des années 2000 en Australie, qui a été complètement annulé. Je sais plus pourquoi, il y avait une raison, il faudrait qu'on recherche. Mais donc ils l'ont tourné avec 10 ans de retard en fait. Et il a été tourné en 2010, sorti en 2015. 5 ans pour monter le film et le sortir. Donc, comme d'hab, toutes les bagnoles dans Mad Max, il y a un compresseur de ouf. Et en fait là, la sortie du compresseur est branchée directement à des tuyaux d'air. Mais attendez, comment ça marche du coup? Ah oui, voilà, ok. Oui, bah oui. L'air rentre par là, va dans le turbo, qui est entraîné par l'échappement. L'air est comprimé et renvoyé dans le compresseur. Donc cette bagnole est turbo-compressée et compressée. Il y a les deux. Il y a les deux systèmes. C'est un truc de ouf. J'avais même pas fait gaffe en regardant le film parce qu'on n'a pas le temps de se rendre compte de tout ça. C'est un truc de malade. C'est une œuvre d'art, cette caisse. Un truc de ouf. Donc elles sont gardées a priori en Australie, donc là elle a été ramenée exprès pour l'expo. Elle est absolument fantastique. Donc ce qui est génial, c'est que vous avez le coffre, en fait c'est la voiture avec le coffre qui s'ouvre vers l'arrière, et donc le coffre est bloqué en position ouverte avec des arceaux pour faire un siège en fait, pour que les mecs puissent être derrière avec le réservoir d'essence qui leur sert d'assise. Le design qui a été mis dans ces voitures est complètement fou. Et là, dans 2 secondes, je vais me retourner et vous allez tous baver. Elle est là, l'Interceptor de Mad Max, qu'on voit pas longtemps dans cet état-là dans le film, hein, puisqu'évidemment, si vous l'avez vu, elle se fait défoncer, elle se fait flipper et retourner après 1 minute de poursuite au début du film, pour après devenir ça, parce que les méchants chopent la voiture, enlève la peinture, la mettre en métal brut, et elle devient ce qu'ils appellent la Razor Cola.
avec un double compresseur. Alors là, c'est, il faut m'expliquer comment ça marche. Il y a un compresseur par-dessus un compresseur. Donc, elle était prévue. Techniquement, c'est une suite de Mad Max 2, en fait, Fury Road, quelque part. Donc, la voiture est dans un état encore plus pourri que dans Mad Max 2. Encore plus détruite. Tu sens que le mec a vécu des années avec cette caisse. Tout a été remplacé à l'intérieur. Il y a des bouts de tissu partout, il y a des filets de pêche. Il n'y a plus les deux réservoirs qu'elle a dans le 2, il n'y en a plus qu'un seul. Et à côté, il y a tout un tas de ravitaillements, un jerrycan, plein de trucs. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est le pneu. Donc elle a trois pneus normaux et un pneu rafistolé, puisqu'il a dû se faire crever un pneu et les pneus, ça doit plus se trouver dans le futur apocalyptique. Et donc ce pneu, il est rembourré de tout un tas de choses. Mais je trouve que c'est un élément de design que personne n'a remarqué parce que dans le film, encore une fois, tu le vois 2 secondes. Mais c'est absolument génial. Donc le pneu est juste rembourré de tissus, de draps, de tout ce qu'il a pu trouver Mad Max pour réparer sa roue. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, on a eu une Interceptor de Mad Max qui a été qu'on a acheté au mec qui a fabriqué les voitures du film. Donc en fait, toutes les autres voitures du film ont été fabriquées par des designers du studio, sauf la Interceptor et ses versions Razor Cola qui ont été faites par Cameron Manuel, qui est le plus connu, enfin le plus célèbre et le meilleur des créateurs de répliques d'Interceptor Mad Max, qui faisait des répliques depuis des années. Beaucoup de gens ont acheté des répliques chez lui dans le monde. Et donc, quand la production a voulu faire des Interceptors, bah, naturellement, ils se sont tournés vers lui. Ils lui ont dit, mec, on a besoin de 3 voitures en version noire. Et je crois qu'ils en ont fait 3 en Razor Cola aussi. Et donc, ils ont créé, enfin, il a créé cette version un peu différente du 2. Et à la fin, en fait, ils lui ont dit, bah écoute, non, vu qu'on n'a qu'une scène à tourner, on casse une voiture, la deuxième on la garde, c'est celle-là. L'autre, elle a été détruite pendant le tournage. Et donc la troisième voiture, ils lui ont dit, bah finalement, on n'en a pas besoin. Et lui, il est en train de la faire, il est en train de terminer la troisième voiture, et donc il s'est arrêté. Il a arrêté de faire la troisième bagnole. Et au final, la troisième voiture, c'est devenu notre voiture. Parce qu'on lui a acheté, quand le film est sorti, il la vendait sur eBay. Il la vendait sur eBay, la voiture, on l'avait acheté pas cher, en plus on l'avait acheté 18 000 $, avec le moteur, la boîte de vitesse fournie mais pas installée dans la voiture, et tout le kit carrosserie déjà en place, il manquait juste le compresseur. Mais il y avait tout, il y avait le kit intégral Mad Max dessus. Donc on a été en Australie, et en 10 jours, on a réussi à faire que la voiture roule, alors qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de ligne de frein, il y avait que dalle qui était connectée. Il n'y avait pas d'électronique, rien. Donc on a réussi en 10 jours l'exploit, avec un garage local, à assembler la voiture, la faire rouler. Et on a même trouvé un compresseur à mettre dessus, faux évidemment, comme dans le film. Mais on avait fait une voiture complète, et on a tout filmé. Et c'est un truc que j'aimerais vraiment sortir. On a commencé à le monter, mais c'est un peu comme Pug, hein. On prend des années des fois à monter des trucs parce que on a filmé avec 2 caméras pendant 10 jours, donc vous imaginez le nombre d'images qu'on a. Mais ça va sortir, on vous montrera l'aventure, notre aventure australienne. Il y a la bande annonce qui traîne quelque part sur la chaîne déjà, mais on avait la troisième voiture comme celle-là. Voilà, allez, on passe à la suite. Des voitures du film The Island de 2005 avec Ewan McGregor, pour ceux qui l'ont vu. Et je crois que c'était celle qui fait Black Widow, putain j'ai un trou, qui était la nana dans le film, Scarlett Johansson. Voilà. Donc un véhicule volant et surtout la Cadillac Sienne, qui était un magnifique concept car. C'est l'époque où Cadillac commençait à avoir des voitures qui ressemblaient à ça. Et franchement, c'est dommage qu'il ne l'ait pas sorti parce qu'elle est magique. C'est pas vous, mais moi j'ai toujours adoré cette époque de Cadillac qu'ils ont depuis 10 ans là, où tout est des formes très très acérées.
Et là, on vous laisse deviner, on passe sur, encore une fois, du Minority Report. Très bon film avec Tom Cruise, si vous ne l'avez pas vu. Dans un futur où il n'y a pas de crime parce qu'il y a des espèces d'êtres un peu supérieurs qui prédisent les crimes et donc les gens se font arrêter avant même d'avoir commis les crimes. Sauf que du coup, à un moment donné, c'est Tom Cruise qui se fait arrêter pour un crime qu'il n'a pas commis et qu'on ne prend pas. Évidemment, je vous laisse deviner la suite, regardez le film. Elle a un peu le même cul que l'autre Lexus qu'on a vu tout à l'heure, sauf que celle-là, c'est une voiture qui se conduit toute seule dans le film. Qu'est-ce que c'est que ça? En même temps que je regarde ça, je suis en train de regarder ce qu'il y a derrière, c'est très très cool. Encore Lexus? Ah bah d'ailleurs, Minority Report, ils ont carrément des objets du film, des props. Voilà, c'est eux les êtres qui prédisent les crimes du futur. Franchement, mettez-le, c'est stylé, c'est très stylé. À l'époque, quand on regardait ce film, les mecs, ils avaient des écrans où ils pouvaient toucher les trucs dans le vide, ils dégageaient des trucs et tout, c'était complètement surréaliste, et maintenant on est pratiquement avec ça dans la vie de tous les jours. Ah oui, ça c'est le bâton du futur du CRS. C'est un truc, quand tu touches quelqu'un avec, le mec se met à vomir, et du coup bah, ça l'immobilise parce que le gars il se met à vomir dans tous les sens, c'est assez rigolo. Sonic, ouais. Ouais, tout ça tire que des ondes soniques en fait, ça tue pas les gens. Très bon film, regardez-le. Et alors derrière il y a un monument là, on va regarder dans 2 secondes. Là on est encore sur du Minority Report. Ça, c'est les véhicules complètement autonomes où les gens peuvent se parler. Il y en a un qui est assis dans un sens, l'autre dans l'autre. C'est marrant parce que ça ressemble pas mal à ce que Renault nous a pondu comme concept car il n'y a pas très longtemps. Un truc, une espèce de barge assez longue comme ça. Et c'est vrai que Minority Report ressemble pas mal dans certaines choses à Blade Runner. Là on est sur ce qu'on appelle un police spinner de Blade Runner, donc une voiture volante de police. Ça paraît tout petit hein, quand on voit le monsieur à côté, c'est pas bien grand. Celui de Blade Runner 2049 qui est tout au fond est beaucoup plus grand. Là c'est que des véhicules de Blade Runner, c'est assez stylé, on va regarder tout ça. Sid Mead, c'est le designer de Blade Runner, mais aussi du premier Tron, du deuxième Tron. Ah non. Non, ça c'est 2010, c'est un autre truc. Short Circuit, c'est Johnny Five. Merde, comment ça s'appelait en français? Vous savez, le robot là. Le robot. Le film des années 80 avec un robot. Aliens. Time Cop. Aliens, qui pour moi reste le meilleur de tous les Aliens, franchement. Le plus stylé visuellement. Time Cop, film avec Jean-Claude Van Damme qui a pas marqué les esprits mais qui était assez stylé. Elysium, ouais, et Blade Runner 2049. Tous les designs viennent de lui. Bon, pour ceux qui n'ont pas vu Blade Runner, le premier, c'est pareil, c'est un trip visuel, mais c'est assez lourd à regarder quand même. Mais c'est un trip, et le 2049 poursuit parfaitement le trip visuel, même si niveau scénario, ça part un peu en cacahuète, mais bon, ça se regarde. Donc ça, c'est les véhicules du 2049. Petite histoire, ça, on en voit un garé devant une des maisons de Hildel dans Retour à Futur 2. On a une autre voiture de police, je sais même plus si elle vole celle-là dans le film. On dirait un concept car Citroën. Donc. En plus, on a la musique de Blade Runner en même temps qu'on regarde les voitures de Blade Runner. C'est assez cool parce qu'il y a la musique de tous les films qui tournent en boucle là. Là.
Bon, j'avoue, les effets spéciaux de Blade Runner pour 1982, ça tient encore très très bien la route, l'histoire. C'est ça la magie de travailler avec des maquettes à l'époque, parce que tu pouvais rendre des choses réalistes qu'un ordinateur de l'époque n'aurait pas pu rendre réaliste et que même un ordinateur d'aujourd'hui a du mal à rendre aussi réaliste qu'une maquette bien faite. C'est pour ça que, à notre grande joie, le cinéma commence à revenir de plus en plus vers les effets pratiques, c'est-à-dire des objets réels qui donnent l'illusion d'être quelque chose qui n'existe pas encore. Enfin, plutôt que des effets numériques avec que de la 3D à plus savoir quoi en foutre, où tu te rends compte, enfin le cerveau humain se rend compte que c'est pas vrai, et du coup on accroche vachement moins à l'univers qui est dépeint. Ça, c'est la voiture de tous les jours, c'est la Smart. C'est la Renault Twingo du futur, dépeinte par Blade Runner. Everyman Car. Que c'est un peu leur version de la voiture du peuple, donc un peu la Volkswagen à coccinelle, qui était la voiture du peuple inventée par Hitler, si vous le saviez pas, dans les années 30. Et donc ça, c'est la version en gros de la voiture d'un régime un peu totalitaire dans le futur. C'est un truc pas très confortable, pas très joli, juste typiquement où on rentre. À 4 personnes, mais on sait pas trop comment on fait. Et voilà. Et là, on a le scandale de Blade Runner 2049. Pourquoi je dis le scandale ? Parce que cette voiture, vous le savez peut-être pas, c'est un film américain à gros budget et c'est une Peugeot. Mais qui sait qu'il y avait une Peugeot dans Blade Runner à part quelques personnes qui ont remarqué ? Bah personne. Et pourquoi ? Pourquoi Peugeot aurait payé des dizaines ou des centaines de milliers d'euros pour avoir ça dans un film et ne pas communiquer dessus? Et ben on sait toujours pas, parce que je leur ai demandé, j'ai demandé à la personne en charge des placements produits dans les films, et apparemment il y a eu une grosse incompréhension, un gros quiproquo entre l'agence qui s'occupe de faire le placement de produits entre le film et les marques, et la production du film et les marques. Donc ils s'attendaient à quelque chose, apparemment l'agence qui a coulé depuis a un peu entourloupé tout le monde et du coup bah, Peugeot n'a pas eu ce qu'il voulait visiblement. Donc la voiture est restée dans le film, on voit à plusieurs moments que c'est une Peugeot, quand il s'écrase par exemple on voit bien le logo Peugeot et il y a un logo Peugeot sur un building, quand à un moment donné ils volent entre les buildings on voit un gros logo Peugeot énorme, mais il n'y a pas eu plus de communication que ça. On voit aussi le logo Peugeot sur le volant et quand il démarre la voiture il y a le logo Peugeot qui apparaît sur l'écran. Magnifique logo Peugeot imprimé en papier. Si ça, c'est pas un truc de ouf. En fait, je pense que j'aurais dû faire une vidéo pour chaque voiture. Ça aurait été plus simple. J'aurais pu faire une vidéo de 5 minutes sur chaque bagnole. Donc le design est très très stylé. Moi, j'adore cette voiture avec les portes vitrées. Je l'avais déjà vu chez Dennis McCarthy qui fabrique les voitures de Fast and Furious. Mais j'avais pas le droit de la filmer. C'est pas lui qui les a créés, mais il avait été embauché pour les retaper parce que apparemment la boîte qui les avait fabriquées avait un peu merdé et il y a rien qui marchait. Donc Dennis McCarthy avait dû intervenir. Donc voilà, ça c'est la voiture de police de l'agent K joué par Ryan Gosling. Et là, on a une voiture de luxe. Donc elle a un train d'atterrissage, donc en fait l'avantage, et comme vous pouvez voir, ou pas d'ailleurs, elle a une chaîne, donc elle a un moteur de moto cette voiture, et elle roule vraiment. Contrairement à sa copine là qui est sur roulette, celle-là elle peut vraiment rouler. Alors après je sais pas s'ils peuvent tourner les roues, mais en tout cas, il y a des pneus.
Donc là, en contraste avec la voiture de l'agent Kay qui est toute défoncée de partout et un peu à l'ancienne, on a la version hyperluxe qui est conduite par la chef de la sécurité du grand méchant du film, qui est elle aussi une réplicante, donc un robot, qui elle est considérée comme la Lamborghini ou la Ferrari des spinners. Donc les spinners, encore une fois, c'est ces véhicules volants. Ce qui est génial, regardez, pour qu'on voit, c'est quand même pensé super bien. Le sol est en plexi pour que tu puisses voir quand t'atterris ou que t'as besoin d'aller vers le bas, quoi. Dans les deux, c'est comme ça. Donc elle est simplement sur roulette. À l'arrière, quand même, ça rappelle légèrement une Lamborghini.